Hello and welcome to The Watches TV. Let's talk about métier d'art with Dominique and Olivier Vaucher, really big specialists of this very special discipline. Il y a environ une dizaine d'années, j'ai vécu deux événements incroyables. J'ai rencontré une femme peintre qui est devenue ma compagne. Et en plus, il y avait le début de l'émulation au niveau des métiers d'art. Soudainement, les clients sont venus tous autour de nous chercher ce qu'on avait sauvé en métiers d'art pour en faire des réalisations plus sophistiquées. On a travaillé avec toutes sortes d'approches pour arriver à traduire l'idée du client et vraiment informer la matière à faire un beau produit. Souvent, nous avons des clients qui ont des très bons créateurs et qui viennent avec des beaux dessins, qui nous inspirent. Ils ont un dessin, ils ont une idée, mais nous avons en tête comment on peut réaliser. Et ça a passé par justement l'apport de laser, l'apport de CN, des ultrasons, différentes techniques pour ébaucher toujours le travail. Il y a toujours ce côté connaissance de métier, même derrière la machine, puis ensuite pour les terminaisons. C'est indispensable pour faire des petites séries, d'avancer le travail, de faire le travail ingrat du métier par des machines. On a tendance, je trouve, à l'heure actuelle, dans les métiers d'art, de mettre en avant le métier d'art pour le métier d'art, développer des techniques extraordinaires, compliquées, et c'est la prouesse technique qu'on met en avant. Et on oublie la dimension artistique. Moi, j'essaye, en tout cas avec les personnes qui travaillent avec moi, de leur apprendre à regarder et à voir autrement. Et ça ne s'acquiert pas en une fois. Et puis certaines personnes ne l'auront peut-être jamais. Mais à force de travailler et de travailler, on apprend à voir le détail. C'est ce qui créera la différence entre un produit purement technique et un produit mené par des artistes, par des artisans. Au début, c'était la plaquette d'or et faire une gravure compliquée dessus. Ça se limitait à ça. Et puis après, on s'est mis à travailler de la pierre. On n'imaginerait pas justement qu'on commence par un gros morceau, qu'on coupe en petites lamelles pour faire des petits morceaux et pour faire petit à petit un cadran, par exemple ici pour Zénith. Un cadran où il y a 100 petites tesselles de pierre adaptées avec des couleurs variées. On emploie aussi les connaissances du tailleur de pierre pour faire de la glyptique, des intailles, des camées et différents matériaux qu'on peut employer sous cette forme. Du côté de l'émail, il y a bien sûr les émaux simples, les émaux opaques, les émaux translucides ajoutés sur des gravures sophistiquées, puis la peinture émail et la micropeinture. La micropeinture, c'est le fait d'appliquer toute sa connaissance artistique pour des toiles sur quelque chose de beaucoup plus petit avec une binoculaire sur des nacres. Lorsqu'il nous est venue l'idée d'associer nos deux métiers, c'est là que j'ai vraiment découvert la gravure sous un autre angle. J'ai retrouvé en fait tout mon métier de peintre à travers ces petits cadrans, mais je l'ai vraiment adapté pour faire quelque chose qui soit vivant et en même temps précieux, qui garde cet aspect précieux. Par exemple, comme dans le travail pour Corum, on avait donné une lumière et puis des ombres, mais on a joué avec également la préciosité du matériau sur lequel on travaille. C'est plus de la toile, c'est de l'or. Nous sommes 14 graveurs main ici dans l'atelier qui ont diverses déclinaisons dans le temps pour s'adapter à différentes techniques. Par exemple, on travaillait surtout avec la taille douce, qui est juste la taille dans la matière. Ensuite, on a fait du creux, du cachet, de la gravure en creux, de la gravure en relief, du round boss, puis la petite sculpture, des micro-sculptures, comme par exemple pour Roger Dubuis, la série Excalibur, les chevaliers de la table ronde. Des micro-sculptures de 6 mm avec des visages gravés, des expressions. Dans la collaboration entre la gravure et la peinture, on doit beaucoup échanger. Parce que les graveurs, eux sont de leur côté. Ils veulent faire leur travail comme ils l'entendent, comme eux, ils pensent qu'en tant que graveur, c'est beau et que ça, c'est très compréhensible. Et nous, en tant que peintres, on aimerait bien avoir une surface où on s'exprime comme on veut, plate. Mais ce n'est pas le cas. Donc, on doit chacun faire preuve d'un peu plus de modestie, c'est-à-dire s'adapter chacun l'un pour l'autre.
Et c'est à mon avis, à notre époque, le mélange de toutes ces techniques qui permet de dépasser justement ce qui s'est fait le siècle dernier. La personne qui reçoit le produit, qui le voit, elle fait « waouh, elle a une émotion ». Mais parce qu'il y a eu tant et tant de partage, d'amour, je dirais, derrière, que ça transparaît.